chercheur du paranormal. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 9 de l'Abbaye. J'espère que vous allez tous bien. Merci de regarder cette vidéo. Je vais essayer de monter. Je sais plus ce que je fais. Tout seul, il n'y a personne pour le moment. C'est bon, on va arriver en haut. Je vais vous montrer le bâtiment. Voilà, on y est. Ouais. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Oula. Ah oui. Je vous ressens. Je vous ressens. Voilà. Quelle énergie. N'ayez pas peur, rapprochez-vous de moi, je suis là pour entrer en contact avec vous. J'ai un appareil, rapprochez-vous, voilà, comme ça, merci. Bonjour.
On voit ça. Tu peux me tenir le même métal, s'il te plaît? Tiens le moi, s'il te plaît. Non. Voilà. Merci. Voilà, prends le moi, s'il te plaît. Merci. Ah, là où on est, c'est quand même assez. C'est quand on arrive ici, c'est quand même assez lourd. La poussière est assez lourde, très pesante. On sent qu'il y a quelque chose. Après quoi, je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Je vais essayer de me rapprocher. Mais. C'est beau, ouais. Magnifique. Ouais. Je vais m'approcher de la portail. Bonjour. Je vous ressens. Merci. Merci. Merci de nous accueillir. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. J'espère que vous allez bien. Et ça baisse. Merci. C'est un super cadeau que vous nous faites. Merci. Puis en plus avec le bruit.
Merci. Je vous ressens. Merci.
Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? C'était pas vous. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Rapprochez-vous. N'hésitez pas. Prenez mon appareil. Tiens-moi le sac.
Bouge pas. 2 minutes. Non, allez-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci. Bon dimanche à vous. Je pense que la spirit box, on va la faire sûrement à l'extérieur. C'est magnifique.
Il y a quelqu'un ici, avec moi. N'ayez pas peur, rapprochez-vous. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes là? Bonjour. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, faites monter le mail, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Nous vous ressentons. Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Si vous savez que vous êtes mort, vous faites monter le mail, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Ça marche. Ça fait longtemps que vous êtes mort?
d'être puissant. Un virgule un, 0,8. Vous voulez communiquer avec nous? Peut-être montrer le mail si vous voulez. Voilà. Vous pouvez revenir. Merci. Nous vous ressentons. Tu attends non. En avion, d'accord. Je n'ai pas changé. Moi aussi en avion. Voilà. On monte. Le contexte géopolitique est également un puissant vecteur favorisant cet essor. L'œuvre de restauration de l'Empire par Charlemagne, couronnée en l'an 800, s'appuie sur un renforcement du poids de l'Église déjà structurée durant les siècles antérieurs et de nouveaux réseaux aristocratiques. La Provence, porte méditerranéenne de la partie centrale et la plus riche de l'Empire, la Francia Media évolue rapidement en principauté. Érigée en royaume en l'an 855, elle est incorporée à l'ensemble bourguignon en 933. Tiraillée vers des aires de domination plus nordiques, l'espace provençal est alors une frontière maritime entre les mondes chrétiens et musulmans. La découverte d'épaves sarrasines sur le littoral et l'existence encore problématique de sites terrestres sont l'un des signes les plus éloquents de cette position frontalière et de contact qui ne fait pas sans œuvre. L'éliminement politique de l'Empire carolingien en principauté territoriale génère au Xe siècle, en Provence comme ailleurs, une large diffusion du château comme structure d'encadrement privilégié des campagnes avec les églises. La multiplication importante d'ouvrages fortifiés bâtis sur de petites éminences, comme ici à Liozel, répond aux aspirations des nouvelles familles aristocratiques d'accentuer à une échelle très locale le contrôle spatial et économique des terroirs dans un contexte de croissance. Ces premiers prototypes de châteaux entrent les prémices de la seigneurie banale en milieu rural. Leur emprise paysagère symbolise l'émergence d'un nouvel ordre social. Dans le courant des 11e et 12e siècles, certains de ces châteaux forment au sein d'habitat les premières bourguettes castrales. Les origines et les modalités de ce processus bien connu des médiévistes pour engendrer la plupart des villages sont encore mal cernées en Provence. Les vestiges originels de nos villages, érigés sous le bâti actuel, sont rarement livrés sur de grandes superficies. Seules quelques fouilles permettent pour l'instant de les appréhender.
Le site du Verdelé à la Malande reste de ce point de vue un ensemble exceptionnel, puisque ce bourg castral du XIe siècle, déserté avant la seconde moitié du XIIe, est conservé dans son état d'abandon. Au terme d'une évolution de 7 siècles, les campagnes provençales prennent l'aspect que nous la connaissons aujourd'hui dans le courant du. Fermeture de la tour à 16h30. Encore un peu. Non, ça va, on y arrive. On regarde pas le vide, il y a des trous là. Il y a des trous peut-être partout. Ouais. Toujours marécageux, hein.